Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode My Tour. Aujourd'hui on se retrouve pour donc la suite du mode My Tour, l'avant-dernier épisode du mode My Tour sur le jeu Tour de France 2018. Car oui, après on finira, on va faire aujourd'hui donc Autonne et Chambéry. Ensuite on finira la Rosière et Champs-Élysées et les My Tour pour le jeu 2018 seront finis. On n'en continuera pas puisqu'après il y aura le Giro qui va arriver, on fera le Dauphiné aussi. Et bah, après ce sera Tour de France 2018, donc on fera plus de My Tour. Donc bah voilà, pour ceux qui voulaient m'en proposer, bah je vous attends hein, pour le jeu 2018. On va certainement refaire une série, je pense. On va certainement refaire une série du mode My Tour. Donc bah voilà, en tout cas c'est fini. Je suis désolé pour ceux qui n'en ont pas eu de l'année, mais bon. Il reste une année. J'ai les noms encore en tête. J'ai les noms de ceux qui m'ont déjà proposé des étapes. Donc bah je vais essayer de pas les prendre. Et je vais essayer de vraiment de prendre ceux qui à qui j'ai toujours pas pris d'étape. Bah, voilà, on marchera comme ça. Mais il reste 2 mois encore. Donc on a le temps. Donc on va partir direct. Bourg-en-Bresse-Autun. On est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin de Geraint Thomas au niveau du classement général. Autun risque pas d'y avoir de gros écarts au niveau du général. Mais par contre l'étape qui va arriver juste après avec Richie Porte, elle est très importante. Entre Nantua et Chambéry, va y avoir de la bagarre. Donc j'espère qu'on va réussir à aller s'imposer, écoutez. Et aller reprendre du temps. On a 45 secondes, je crois, d'écart. On va voir ça direct de toute façon. On est en excellente forme avec Porte, pardon. C'est pas trop l'étape pour être en excellente forme. Hein, donc bon, on va quand même essayer d'en profiter pour prendre quelques secondes dans les cols finaux. Mais c'est pas la meilleure étape pour être en forme, pour être en excellente forme. J'aurais préféré cette excellente forme demain. Ce sera, on va aussi la voir. Hein. Donc, est-ce qu'on emmène quelqu'un dans l'échappée? Bokke Mollema, ça peut être une bonne idée. Hein. Ça peut être une bonne idée. Il est à 10 minutes 3, donc ça le laissera partir. Après Bambéa, je me souviens qu'on avait dit qu'on laissait tomber le maillot à poids de toute façon. Donc, bah, on va partir avec Mollema. Écoutez, si ça laisse sortir dans l'échappée, c'est parfait. Bah, sinon, on restera dans le peloton, évidemment. Le peloton roule pas. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est sorti. Attendez, on va faire un récapitulatif. 5, 11, 13, 14, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça ferait 30 courants dans l'échappée. Normalement, niveau pour aller au bout, 30, ça suffit. Et avec Mollema, on ferait partie des meilleurs punchers. Donc, si ça part comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, allez, il y a le point. Je sais même pas pourquoi je le dispute. On va le disputer pour éviter de se faire distancer. Écoutez, Kreuzweig, s'il veut remporter le maillot à poids, il se fait plaisir. Bah, c'est Stibar qui passe en tête. C'est Stibar qui passe en tête. Nous, on est bon. On est en groupe, en tout cas, avec Mollema. Donc, c'est parfait. Et à mon avis, tout le monde va revenir derrière. Il y a un groupe de 7 en plus qui. Ou alors c'est un groupe qui s'est regroupé, je sais pas. On est vraiment beaucoup, hein. On est vraiment beaucoup là. On arrive dans le final au sprint d'Auvergne situé à 15 km de l'arrivée. On est encore 30, plus que 55 coureurs hein, dans le peloton. Ça a vraiment beaucoup plus craqué que d'habitude. D'habitude, on arrive là à 100 à peu près, là, 55, donc ça fait plaisir. Aucun coureur pour accompagner Porte encore, mais normalement ça devrait le faire tout seul, hein. Allez, on est encore là avec Mollema. On est 30, donc on n'a pas besoin de rouler, au moins ça c'est un bon truc, ça c'est une bonne nouvelle. On va même se caler à l'arrière. Il y a un petit coup, voilà, là on est bien dans le milieu de ce groupe. Ça sert à rien d'aller plus haut, ça sert à rien d'aller plus bas pour réagir en cas d'attaque. On va déjà prendre notre gel bleu, le col de la Rochette, c'est parti, 5 km à 5,5%. A mon avis, il va y avoir des attaques dans l'échappée, évidemment. Il y en a qui savent que se retrouver avec Mollema dans le mur final, c'est pas une bonne idée. Allez, 4 km du sommet, derrière ça attaque avec Nibali et Martin. Porte et reste dans le peloton, mais les prochaines attaques, je vais lui demander de suivre, on va déjà lui donner son bleu, écoutez. En tout cas, Nibali qui semble vouloir revenir sur le groupe. 3 km 8 du sommet pour tenter une attaque avec Mollema, ça me semble un peu loin, ça me semble un peu loin quand même. Donc on va rester dans le groupe. Allez, Nibali est le seul à être sorti. On voit le groupe derrière, ça se rapproche très vite. J'ai bien envie de remporter une étape avec Mollema aujourd'hui. Mais ça se rapproche très très vite derrière avec Nibali. Allez, écoutez, on a quand même une belle barre bleue. Donc à 3 km du sommet, on tente une attaque. A mon avis, ça va suivre. Ça veut pas laisser partir Mollema comme ça parce que sinon, on risque de ne plus le revoir. On voit, ça fait un peu de plat hein, avant le sommet. Donc je pense qu'on pourra profiter de cet endroit-là aussi. Effectivement, 1 minute d'avance par rapport au peloton. Il y a un groupe de 15 qui a du mal à suivre derrière. Un autre groupe de 14 qui vient dans ma roue. Au moins, on a divisé le groupe en deux. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Allez, Richie Porte est encore là à 1 minute 7. Un autre groupe à 34 secondes. Allez, on roule à fond. 2 km du sommet avec la barre bleue qu'on a là. Hein. Ça passe. Ça passe facilement. Allez. On mène la danse à l'avant. J'ai pas envie de me faire attraper par le groupe de 15 quand même. Ça fait 15 adversaires en moins. Ça fait 15 adversaires en moins. Donc c'est quand même. C'est pas négligeable. Hein. La moitié de l'échappée qui craque. Allez, les points du grimpeur. On s'en fiche évidemment. Allez, on peut aller à fond. Hein. On aura toute la descente pour récupérer après. Allez, ça mène le maillot blanc qui craque.
J'ai regardé cette bataille au maillot blanc. Ah, il y a encore Bernal, hein. Il y a encore Bernal dans le peloton, donc attention. Ça vous mène fait peut-être une grosse erreur sur cette étape pas si compliquée de craquer. Sagan qui est encore dans le peloton qui suit cette attaque. Simon Yates aussi. Et j'ai demandé à Richie Porte de suivre, si je me souviens bien. Ouais, ils sont tous en train de suivre là. Sagan, Yates, ok. Donc ils suivent, ça a l'air d'être bon. Allez Mollema, j'ai peut-être fait une erreur parce que là il ne reste vraiment pas plus beaucoup de bleu. Et Landa qui tente d'attaquer sur le sommet. Allez, ça va passer, on passe au sommet pile pile pile. 1 minute 30 de retard sur la tête pour Allez, ils le sont maillot juste là, jaune. le groupe de 6. L'avance du groupe de tête devrait être C'est bon, ça suffisante va rentrer, maintenant ça va pour rentrer, aller ça au va bout. rentrer. 1 minute 38, 1 On minute signale 40 une même d'avance minute par rapport 30 en au faveur groupe. des Par hommes contre, de tête par par contre, rapport Porte, à il a pas Jumbo. du tout suivi, hein. Attention, ça attaque en tête du Porte, peloton. il a pas du tout suivi. Ça attaque Et en là, il y tête a du quand même un peloton. groupe de 20. Ouais, c'est pas Allez, top. c'est parti pour la descente. Ah oui, ok, c'est le groupe de 15 de tout à l'heure, plus 5 Accélération à la favoris. tête Allez, du par contre, ce serait peloton. bien de rentrer là. Vigilant. Parce que dans 5 km, Attention, on va ça tourne attaquer en la tête du côte. peloton. Et j'ai bien envie de récupérer du bleu et pas de faire l'effort. Et de pas Échappée faire du l'effort peloton dans la montée finale. s'avance Ok, sur le groupe maillot on est jaune. dans la roue de Lopez, on est bon. Changement Wellens qui a d'allure craqué. Wellens aurait quand sur même eu le. pu être un gros favori, hein, dans l'échappée. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on fait clairement partie des meilleurs dans cette échappée. Après, il faut voir. Le final, il y a quand même Mikel Landa, Lopez, Mas, Krojvaj, Katapouma. On est quand même face à du beau monde. Donc, attention. Attention. Il y a Barguil aussi. Et niveau de la barre bleue, ça pourrait être mieux. On va dire rattraper Nibali, voilà. 2 minutes, hein. 2 minutes, ça va le faire finalement. C'est un coureur de l'échappée qui va aller s'imposer ici. Ah merde, je me souviens. Automne, oui. J'étais pas mal. À automne. Allez, encore 1 km de descente, à peu Avec près toutes 500 les mètres de descente, difficultés et c'est franchies, parti. il semblerait que c'est au sprint Attention, on n'est que pas très bien remporte placé cette dans cette étape. échappée. Je sais pas si ça va suivre, hein, ce niveau de barre bleue si proche de l'arrivée. Par contre, Landa qui attaque très bien. L'écart On a avec déjà la tête 200 mètres du de moins par maillot. rapport à Landa dans le sprint. Allez, on Et est 5 voici à la tête pouvoir du envisager la peloton. victoire. Les autres qui craquent, qui n'en peuvent plus après cette étape de taré là dans L'étape est l'échappée. à 1 Après km 30 de l'arrivée. coureurs, 90 km à peine. On va reprendre un peu de rouge. Barguil, Landa, Marc de Marquis qui ont plus beaucoup de rouge. On en L'attaque reprend un peu avec envoyée. Mollema, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On va remettre une petite attention à Landa sur la droite. Non, c'est bon, ça suffit pour aller chercher cette victoire d'étape ici à Autun devant Mikel Landa, Warren Barguil et Alessandro De Marchi. Et c'est Godu, je crois, qui fait la 5e place. Et bah, ça fait plaisir. Écoutez, on commence cet épisode avec une victoire d'étape. J'espère qu'on pourra faire la même sur l'étape de Chambéry. Allez, le but là, c'est de rester dans le peloton avec Porte. On s'en fiche de faire un résultat, évidemment. Jouer pour une 30e place anecdotique. Et par contre, il y a Nibali qui arrive à reprendre un petit peu de temps. Nibali, Yates, Bardet et Daniel Martin. Bon, ils vont pas reprendre beaucoup de temps, hein. Donc voilà, là on reste dans le bon groupe, c'est parfait. 32e place, c'est parfait. On reste dans le bon groupe, on perd pas de temps. Voilà, étape qui se passe plutôt bien. Maintenant, faut voir ce que ça va donner la prochaine, hein, à Chambéry. Ça va être très compliqué. Donc le but, c'est de pas perdre de temps, évidemment, dans cet épisode. Pour l'instant, c'est bon. Après Chambéry, ça va être compliqué. On s'impose au sprint face à Bocque, Mollema, Mikel Landa, Warren Barguil, Alessandro De Marchi. Donc les trois qui nous ont vraiment fait de la résistance. Puis derrière, Reichenbach arrive avec le sprint du petit groupe derrière. Devant Krojvaj, Lopez et Atapuma. Derrière du coup, Bardet, Martin et Yates et Nibali qui arrivent en tant que favoris, qui prennent un peu de temps. Et bon, c'est une quinzaine de secondes, hein, globalement. Donc c'est pas trop non plus handicapant pour nous, notre groupe qui finit à 1,55. Donc ça va, du coup, pas d'ordre délai. Le classement général, c'est pareil. Geraint Thomas qui est toujours en tête. 1,20 sur Dumoulin, 1,30 sur Porte. Ouais, ça se joue pas grand chose quand même. 1,30, je pense que c'est reprenable, hein. C'est reprenable, mais ça va pas être facile. Du coup, les poids, c'est Krojvaj. Le vert, c'est Sagan. Le blanc, c'est Mas. L'équipe, c'est Askai. Le combatif, c'est Cummings. Brambilla, 9e. On va envoyer Brambilla parce que là, il y a moyen d'aller chercher ce classement. Donc c'est parti. Hop, les. Bonjour à tous. Non, tu as Chambéry. Trois color catégories aujourd'hui. Ça va être extrêmement compliqué. Surtout le monde du chat dans le final. Donc voilà, on risque d'avoir du spectacle. Puis ensuite, ce sera la Rosière pour finir. Après, sur les Champs-Élysées. Donc bah voilà. On va faire cette étape-là. Puis on va finir l'épisode. Mais à mon avis, ça va demander du temps quand même. Donc allez. Finir dans les 5 premiers de l'étape avec Porte. Bah, je l'espère bien. Mollema qui va prendre l'échappée. Bah, dis donc. Il s'est pas remis de son échappée d'hier. Enfin, il s'est remis justement un peu trop. Écoute, tu étais déjà bien l'échappée d'hier. T'as remporté l'étape. Aujourd'hui, tu vas rester en peloton pour protéger Richie Porte. Parce qu'on en a besoin. On en a bien besoin. Hein, va y avoir déjà Brambilla dans l'échappée. Pour aller chercher la combativité. Donc en plus, si on t'envoie toi, on n'est pas sorti de l'auberge.
Du coup, bah voilà, on aura Mollema aux côtés de Porte. Donc on va prendre Bambia, on va partir en échappée, mais on va pas jouer les points montagne. Bonjour à voilà, toutes je et à l'annonce. tous, cette Du crush va épreuve est un rendez-vous risque sûrement de incontournable pour venir. les favoris du Risque sûrement classement d'empocher général. plus de points que Avec nous. l'école de la biche, Donc on va le envoyer colombier et le Brambilla pour juge la combativité. se sont Il va donc rester en trois groupe. cols hors Et ce catégorie sera sur bien son comme ça. programme, Et avec du coup, 4 sinon, sites si différents. Crushwake part dans l'échappée. Bah ouais, du coup, il est devant au classement de la combativité. Bon, c'est pas grave. Essayez de remonter dans la combativité. Et puis on reprendra dans d'autres étapes. Voilà, on se débrouillera, hein, de toute façon. Allez, on est dans la côte des Nérolles, du coup, on va tenter de sortir. Et c'est parti avec Brambilla, à mon avis. On va voir des coureurs qui vont nous suivre certainement. Bah voilà, Thomas de Rennes qui a tenté d'attaquer, j'ai vu. En tout cas, bah, on va pas partir tout seul, ça c'est sûr. Il va y avoir des contres derrière pour Maillot à poids et tout. Donc, bah, en tout cas, là, on est tout seul. Je vous reprends dès qu'on se fait rejoindre. Et allez, on est au sommet de cette côte des Nérolles, donc on vient de passer. On a Mickaël Niévé, Rigoberto Urán et Guillaume Martin qui sont avec nous. On a vu, il va encore y avoir d'autres comptes, mais à 4, c'est pas trop mal. Partir à 4, comme ça, au niveau de la combativité, on a personne face à nous. Niveau proche, on a vraiment personne face à nous. Donc bon, c'est pas trop mal. Par contre, ils sont tous meilleurs en montagne. Hein. Donc j'espère qu'on va au moins passer les deux premières catégories. Le Grand Colombier et le Col de la Biche. Enfin, dans l'autre sens, le Col de la Biche et le Grand Colombier, parce qu'à mon avis, de toute façon, face à eux, dans le Mont du Chat, on. Bah on se fera lâcher. De toute façon, on se Il y fera a même deux reprendre dans le monde points du pour chat. Donc, un point pour le classement l'objectif, c'est général au de sommet rester de la côte dans ce groupe le colombienne. plus longtemps. Et puis après, on verra comment ça se passe. Hein. On est désormais 7 dans l'échappée. Vous voyez, il y a Bob Jungels, Rafał Majka et Tim Wellens qui nous ont rejoints. Derrière, on a Nairo Quintana qui est 19e et Miguel André Lopez, 35e, qui tente de nous rejoindre aussi. Et Adam Yates. Donc bah voilà, ça devrait être une échappée de 10 avec des coureurs quasiment tous plus forts que nous. Donc ça va pas être facile hein, cette étape. Mais bon, allez, je vais passer directement sur Degenkolb puisque comme je vous l'ai dit, je vais pas jouer pour montagne aujourd'hui. On est là pour la combativité. Donc on passe sur Degenkolb et on se retrouve au sprint intermédiaire les amis. Allez, on arrive au sprint intermédiaire hein, toujours. Et Degenkolb, on les joue encore. On les joue encore. Sagan et la Matthews aussi. Oh, on prend la roue dans le virage. Donc voilà, encore 9 à l'avant. Yates qui est toujours pas rentré. Donc ouais, c'est pas facile pour lui. Hein. Il va faire le mieux qu'il peut, je pense, mais ça va pas être facile. Allez, hop, on se replace à l'avant. La Bora qui roule un petit peu pour Peter Sagan. On va tenter de passer en tête. Et en léger faux plat descendant ce sprint, on le voit. Donc on va lancer un petit peu plus tôt. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher ce point? Est-ce qu'on peut aller chercher ces 5 points? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah, Sagan est plus rapide. Sagan est plus rapide. On va tenter de lancer le vélo. Et ça passe, ça passe, ça passe. Donc c'est parfait. On passe en 11e position. On prend 5 points. Sagan en prend 4. Du coup, au niveau du classement général, du maillot vert. Ah ouais. Ouais, bon. Je les joue. Vas-y. On va dire qu'on les joue pour se faire plaisir. Parce que là, même techniquement, c'est mathématiquement, c'est impossible. Donc bon, ouais. On va. Bon, il reste une étape après celle-là. Si on compte pas les Champs-Élysées. Donc bon, voilà, j'ai joué l'esprit intermédiaire. C'est pas grave. Allez, du coup, on repasse sur Brambilla. Hop, allez, c'est parti. Allez, on est dans le Grand Colombier, comme vous voyez, par le versant de la directissime. Donc 10,2%, c'est énorme, surtout qu'il y aura des passages à 22. Vous voyez, les deux coureurs de la Mitchell & Scott, donc Adam Yates et Mickaël Niévé, se sont fait distancer les deux. Donc ouais, ils ont dû avoir des problèmes bah, physiques. Ils n'ont pas été au niveau. En tout cas, 104 coureurs dans le peloton, à mon avis, ça a bien baissé au sommet du Grand Colombier. Mais bon, on connaît cette étape. Dans le plat, tous les coureurs lâchés vont revenir. Donc le Grand Colombier, au final, fait jamais un gros. Fait jamais vraiment mal. Bah allez, en tout cas, nous avec Brambilla, on est là. Et c'est parti pour les pourcentages les plus durs de l'ascension. Vous voyez là, ça monte tellement qu'on n'arrive même pas à voir. On n'arrive même pas à voir. On attaque du 20% là. Je pense qu'il va y avoir quelques coureurs de l'échappée qui vont craquer. Ça correspond parfaitement à Brambilla. Hein. C'est ce genre de pente bah, très pentue justement. Alors que par exemple, Guillaume Martin, Miguel André Lopez, c'est pas trop leur truc. Donc bon, on va voir ce que ça donne après au sommet du Grand Colombier. Et bah finalement avec Brambilla c'est nous qui sommes le premier à être dans le jeu parce que vraiment là et bah c'est pas facile. C'est pas facile parce que ok les pentes à 22% elles sont passées mais après on restait quand même sur du 8, sur du 9, sur du 7%. Et c'était pas facile. Donc voilà, Majka, Martin qui se font distancer, nous avec Brambilla on a pris 45 secondes, j'ai pas envie de prendre mon gel en fait. J'ai envie de le garder pour la suite donc bon là c'est pas grave, au pire on va rentrer bientôt. Oh mon avis on a 1 minute de retard au sommet, je pense qu'on va pouvoir rentrer. Derrière, il y a Mollema et Porte qui n'ont pas encore pris leur gel. Donc ça c'est parfait pour le monde du chat final. Et allez, c'est parti. Avec Brambilla dans la descente, je vais essayer de recoller. On a 1 minute d'écart, normalement ça peut le faire. Hein. On n'a pas non plus un écart oufissime. On entre dans le monde du chat, donc 9 km à 12% quasiment. Donc là ça marque 12 km à 8,9%. Mais évidemment ça compte le faux plat montant qu'on a juste avant. 9 km à 12%, donc c'est parti. Ça va faire très très mal, ça va faire très très mal. Et c'est la UAE qui prend la tête.
Nous on est là avec Richie Porte, on va être protégé par Mollema et encore Bambia à l'avant. Écoutez, je vais lui donner son gel déjà, mais de toute façon, j'ai un peu de chance d'aller au bout. 2 minutes de retard, 2 minutes d'avance par rapport au peloton, ça va être très serré. Juste avant donc le sommet du Mont du Chat qui va être dans 8 km à peu près pour eux. Et l'arrivée qui est à 26 km du sommet, donc il y a quand même le temps dans la descente pour rattraper aussi. Ou pour se refaire de l'avance, on verra bien. Allez, nous sommes à 4 300 km du sommet de ce Mont du Chat, donc on est protégé toujours par Mollema qui est juste ici. Je vais déjà donner son gel, donc je pense qu'il peut tenir, il peut peut-être tenir jusqu'au sommet, mais à mon avis ça va continuer de rouler avec la Bahreïn et la UAE, donc ça va être dur. Et Nieve qui remonte sur la droite, bah, il était lâché, mais il a réussi à résister dans le peloton, il a réussi à rester dans le peloton encore. Brambilla qui se fait lâcher dans un petit groupe de 6, de toute façon je lui ai donné son gel, hein. Donc maintenant c'est à lui de se gérer complètement. Il reste peut-être le gel rouge, bah, d'ailleurs je vais lui donner. Allez, nous avec Porte, je vais pas utiliser le bleu pour l'instant, tant qu'on peut. Là je vais pas faire le con puisque l'arrivée est pas au sommet. Donc si on peut garder le bleu pour peut-être dans le final qui peut nous servir, on va pas se gêner. J'ai bien envie de tenter quelque chose aussi, évidemment le maillot jaune. Geraint Thomas qui est pas loin, qui est dans les parages, il est juste là. Il va falloir lui reprendre du temps aujourd'hui. C'est pas la meilleure étape pour prendre du temps évidemment. Les arrivées en descente comme ça c'est pas la meilleure étape. Je pense que demain à la Rosière ce sera plus propice pour reprendre du temps sur le maillot jaune. Quoique hein, c'est pas une montée très énorme la Rosière. D'ailleurs, Geraint Thomas l'avait même remporté en vrai. Donc, ça montre bien à quel point il va être à l'aise sur ce genre de montée. Donc je pense que le Tour de France est fini. Mais au moins essayer, regardez, au moins essayer d'aller chercher la deuxième place à Tom Dumoulin quand même. On a à peine 10 secondes de retard. Je pense que là c'est faisable. Là c'est faisable. Par exemple aujourd'hui tu peux très bien reprendre 10 secondes dans un sprint. Et demain tu restes derrière lui. Tu perds pas de temps et puis c'est bon. Donc allez. Caruso qui roule. Ça emmène donc pour la Bahreïn Mérida. Avec Vincenzo Nibali, donc qui est 5ème, hein, qui peut reprendre du temps aussi. Hein. Il suffit qu'il reprenne 1 minute 20, il passe à la deuxième position. Donc attention, Nibali qui est pas si loin que ça. S'il est en forme aujourd'hui, parce qu'il fait pas rouler, il fait pas souvent rouler son équipe. Donc là, à mon avis, s'il fait rouler, c'est qu'il est en forme. Allez, donc devant, Uran, Nick Quintana et Jungels. Hein, très bon grimpeur évidemment, qui résiste encore. Qui donne corps et âme pour arriver au sommet ensemble. Ils ont aucun intérêt à se lâcher tous les trois parce que dans la plaine, un coureur seul se fera forcément attraper. Allez, Brambilla qui se fait attraper. Il a fait une belle étape. Il a fait une très belle étape, Gianluca Brambilla. Allez, je demande à Mollema de venir rouler un petit peu. On va prendre un poil de gel. Hop là, c'est parfait. Allez, donc du coup, aujourd'hui on est samedi, les amis, avec ce mode My Tour du coup. La vidéo sort samedi, y a pas de raison qu'elle sorte dimanche. Donc dimanche, Liège-Bastogne-Liège avec un coureur surprise. Enfin pas forcément un coureur surprise, mais un coureur que j'étais pas destiné à prendre de base avec ses performances sur l'Amstel et la Flèche Wallonne. Il me donne très envie, donc on va tenter, je l'ai pas encore tourné du coup. Donc on va tenter demain de faire un résultat avec ce coureur. Et un nouveau concept qui va arriver, donc j'en profite pour que ce soit la transition entre les classiques ardennaises. Donc la fin de Liège-Bastogne-Liège et le Giro qui va arriver dans quelques instants, dans quelques jours, le 11 mai, le début du Giro. Donc soyez présents sur ma chaîne évidemment. Et du coup, il va y avoir un nouveau concept. Donc j'en profite, voilà, je ferai pas le tour de Romandie, hein, je vais pas faire le tour de Romandie. Et du coup, à la place, je vais faire un nouveau concept comme je vous l'ai dit. Et donc j'espère que ça vous plaira. J'espère qu'il n'y a pas des âmes sensibles qui vont être choquées par le titre. Bon, normalement ça devrait aller. Donc allez, 800 mètres du sommet. J'essaie de rouler un petit peu, on a encore du bleu, hein. Pour la plaine, ça peut évidemment être bénéfique pour nous. On revient sur Machka. Lopez, on risque de lui revenir dessus aussi. Martin, Wellens peut-être. En tout cas, les trois à l'avant semblent intouchables. Quintana qui a pris un peu d'avance. Allez, on est encore 18, hein, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup 18. On faisait cette étape sur le jeu 2017, on était 3 à passer au sommet, K5 à peine. Et là, on est 18. Allez, on tente de donner nos dernières forces avec Porte. Ce qui est bien là, c'est qu'on a gardé du rouge, les amis. Et ça, ça peut que nous être du bon. Ça peut que nous aider d'avoir gardé du bleu, pardon, au sommet. Sur le plat, si on a besoin de gel bleu, on en aura. Allez, on est plus que 13 dans ce groupe peloton, du coup, dans ce groupe maillot jaune, avec les principaux favoris, hein, j'imagine. Allez, c'est parti pour la descente. Écoutez, les amis, je vais faire la descente silencieux comme ça, et je vais vous la passer en mode rapide, parce que souvent il y en a. Enfin, j'imagine bien qu'il y en a dans leur tête, ils se disent, ouais, il a coupé, donc ça veut dire que c'est faux. C'est-à-dire que le mec, il a. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il a coupé, il a fait un cut au montage, donc ça veut dire qu'il a triché, peut-être qu'il est tombé, du coup il a relancé, non. Donc là, je vais vous la passer en mode rapide, la descente, et du coup on se retrouve en bas. Donc allez, là je tente une petite attaque, allez, on va tenter une petite attaque dans la descente, justement ça s'accélère, hein, le fait d'avoir gardé notre gel bleu.
Et allez, nous sommes au bas de la descente, donc il reste 12 km encore. On est 12 dans ce peloton, on voit Romain Bardet qui a craqué derrière. Il va certainement revenir, mais il aura utilisé un peu de bleu dans la descente. Quatrième, hein, quand même. Jacqueline 9ème, Roglic 8ème derrière. Mais sinon, en termes de favoris, c'est tout. Et allez, on tente une attaque avec Richie Porte, on peut pas rester là-dessus. On va tenter de rejoindre Guillaume Martin, donc. On va certainement rejoindre aussi Tim Wellens, mais à mon avis, les échappés. Quintana, Jungels et Oran vont aller au bout. Et attention à Quintana, parce que s'il se fait reprendre par Jungels qui est juste derrière, Jungels s'impose au sprint. Allez, on sort avec Nibali. Tom Dumoulin qui suit derrière, le maillot jaune qui reste dans le peloton. Allez, Dumoulin, Simon Yates et Daniel Martin. Allez, Guillaume Martin est juste devant. C'est rien qui nous attend, parce que là, ce qu'il fait, ça sert à rien pour lui. Allez, est-ce que Nibali va coopérer? Collabore. Ah, il veut pas collaborer, Nibali. Ils veulent pas collaborer. Ah, si Dumoulin un petit peu. Ouais, à 70, ça sert à rien, les gars, d'y aller à 70. Là, faut distancer le peloton, là. Faut distancer le peloton maillot jaune. Allez, ça va redescendre un petit peu. Après ce gros faux plat. Pas facile. Pas facile cette fin d'étape, évidemment, pour trouver des choses à faire. Trouver des moyens d'aller chercher du temps sur cette étape-là. C'est vraiment pas facile. Ce qu'apporte Kwiatkowski. Kwiatkowski et Froome qui vont pouvoir bien aider Geraint Thomas. Donc là, c'est sûr que pour le distancer, ça va pas être facile. Hein. Allez, on va prendre un peu de bleu. J'ai bien envie de retenter une dernière, évidemment. On va pas s'arrêter là. Parce que de toute façon, on sprint. Ouh, l'attaque de Martin. L'attaque de Martin, on va suivre. Tout le monde suit d'ailleurs. Bah, même Thomas qui suit. Hein, donc ça sert à rien. On va tenter de suivre comme ça. Essayez de pas trop utiliser de rouge parce que si on veut retenter une attaque, évidemment, ça peut être utile. Allez, Martin et Martin. Magnifique ça. Allez, hop, on est rentré dans la roue. Et c'est Dumoulin qui rattaque. Dumoulin qui rattaque. Suivi par. Nibali, pardon, qui attaque. Suivi par Dumoulin, justement. Pas terrible, hein. Pas terrible les attaques dans ce final. Il n'y aura pas d'écart qui aura été fait du coup. Attaque de Simon Yates. Attaque de Simon Yates. Encore suivi par le peloton. Barguil qui est encore là. Barguil qui est encore là. Allez, Bardet qui attaque. Ouais, tout le monde attaque. Hein. Tout le monde attaque. Enchaînement d'attaque là dans ce final de l'étape de Nantua-Chambéry. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un mec qui sorte et qu'on réussisse à sortir avec lui, mais finalement non. Enfin, c'est pas grave. Allez, on pourra prendre la roue. On va prendre la roue de Nibali. C'est parfait. Allez, 2 km 9. Essayez de prendre peut-être un poil de seconde sur le sprint final. Avec le misérable 62-61 de sprint de porte. Allez, c'est parti. On voit le final juste ici. 2 km 1. Y'a personne qui emmène en plus. Y'a personne qui emmène. Allez, le groupe derrière qui va peut-être rentrer avec Moema. Allez, une attaque là, une attaque pour emmener. Allez, c'est parfait. Daniel Martin qui attaque, suivi par Adam Yates. Allez. Allez, on y va, on en profite pour pouvoir faire notre sprint. On va revenir sur Tim Wellens. Est-ce qu'on peut reprendre quelques secondes? Et oui, ça va le faire, hein. On va certainement reprendre quelques secondes. Je mets la vue comme ça pour qu'on puisse bien voir. Ah, Geraint Thomas qui nous revient dessus. Hop, on lance le vélo. On passe devant Thomas. Il y a peut-être quelques secondes, vraiment. Par contre, ça c'était du moulin, ça. Ça c'était du moulin, par contre, hein. Si j'ai bien vu, c'est du moulin. Et du coup, du moulin, il a à peu près 20 secondes de retard. Ah, c'était Martin, d'accord, j'ai confondu le maillot UAE. Guillaume Martin, pardon. Du coup, ouais, ils sont tous dans le groupe. Donc, on va prendre à peine 5 secondes avec Richie Porte. Donc, c'est bien dommage, pas trop. Bon, on remporte l'étape juste avant. Mais là, cette étape-là, ça se passe pas trop comme je le pensais. Je pensais vraiment qu'on arriverait à faire quelque chose. Non, mais finalement, pas du tout. Cavendish qui va peut-être attendre. Attention, la marque Cavendish là. Et c'est donc Bob Jungels évidemment qui s'impose face à Nairo Quintana qui a tenté de partir tout seul. C'était pas une mauvaise idée face au rouleur qu'est Bob Jungels évidemment et au non-rouleur qu'est Nairo Quintana, on va dire les choses. Il s'est fait reprendre et Jungels est allé s'imposer devant Quintana. Oran qui finit 3ème du coup à 1.14 et Porte et Thomas ont franchi la ligne en 4ème et 5ème avec 2.18 d'avance. J'ai peut-être lancé le vélo un peu trop tôt, ça m'a coûté 1 ou 2 secondes mais bon c'est pas non plus dramatique. Bah peut-être, si finalement c'est dramatique, ouais bon. J'ai mal géré, je pensais, j'avais la vue en arrière, je pensais que la ligne était plus proche, c'est pas grave. Il y a des erreurs hein, dans la vie. Comme celle-ci, et du coup on reprend 6 secondes sur ce peloton maillot jaune, bah, constitué de tous les favoris, hein, c'est simple. Et donc bah voilà, on reprend 6 secondes et du coup on revient, pas dans délai en tout cas pour Cavendish, et du coup on revient à 4 secondes. De Tom Dumoulin, c'est extrêmement serré, ce classement général, c'est extrêmement serré. Tom Dumoulin, du coup, qui est deuxième, Richie Porte, troisième, Romain Bardet, quatrième, et Bob Jungels, qui est cinquième.
cinquième et qui reprend 5 places du coup. Bob Jungels, bah oui, 5 places. Attention à Bob Jungels, mais je pense qu'il sera fatigué à la rosière de toute façon. Mais s'il arrive à résister, un top 5 pour la de Koenig, ça pourrait être vraiment extrêmement cool pour lui. Parce qu'on s'attendait pas à le voir là, un dixième, je pensais qu'il allait rester dixième. Grâce à son échappée, il remonte comme ça. En tout cas, nous pour Porte, Bardet, je pense qu'il n'y a pas de danger. 4 secondes sur Dumoulin, c'est faisable. Donc bah voilà, on va y croire, on va tenter d'y croire. Les poids du coup c'est pour Ouran, ouais, il a pris tellement de poids aujourd'hui Ouran, donc voilà. Bon bien on est loin, on a repris 4 places quand même avec les petits points qu'on a pris aujourd'hui. Le vert c'est Sagan du coup, là on est large hein, donc ouais on va arrêter de jouer le sprint intérieur. On va pas jouer le sprint intérieur de l'étape de la rosière. Le blanc c'est Bernal, à moins que... Ouais sur Démar quand même, sur Démar c'est vrai. Le maillot blanc du coup c'est Egan Bernal devant Enric Mas et Miguel Angel Lopez pour 4 secondes, ça va pas jouer à grand chose hein. À la rosière il va y avoir des batailles pour tous les maillots. On va y voir des batailles pour tous les maillots. La Sky, du coup, qui est leader du classement par équipe. On est 7ème avec la Trek. Pas trop mal, c'est pas trop mal. Pour l'équipe pas très grimpeur qu'on a. La combativité. Du coup, c'est Steven Cummings. Et Brambier est revenu à une vingtaine de kilomètres, à 25 km de Cummings. Donc, on va le renvoyer, le re-renvoyer sur l'étape de la Rosière. Évidemment, on va pas s'arrêter là. Il y a le classement de la combativité à aller chercher. Et donc, bah voilà, les amis, pour cet épisode. Avec que deux étapes et qui a été quand même assez long. Je pense qu'on est aux alentours de 20 minutes et même un peu plus. J'irai regarder. Donc bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce petit truc que j'ai fait dans la descente là de Chambéry vous a plutôt aimé. Puis nous on se retrouve demain du coup comme je vous l'ai dit pour la doyenne Liège-Bastogne-Liège. J'espère que vous allez apprécier cette course. Donc évidemment qu'on fera sur l'étape Lorient-Quimper. Donc s'il y a des Bretons, bah big up à vous et même big up à tous les gens. Big up à tous les gens qui auront mis un pouce bleu parce que c'est très important pour me soutenir. Donc voilà, on se retrouve demain pour la prochaine épisode du My Tour. On fera du coup la Rosière et Champs-Élysées. On finira cette saga My Tour 2018. Donc, que j'espère que vous avez apprécié. Et bah voilà, du coup, bah c'est fini. Allez, à plus. Hein, hop.